Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Karsten, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve sur le mode Third Age Total War Divide and Conquer pour l'épisode 8 de notre campagne avec l'Isengard. Et cette fois nous nous retrouvons avec une armée qui a deux Nazgûl à sa tête puisque Saruman est devenu maître de l'anneau. Je vais pas faire cette bataille en direct, je vais la faire en automatique. Je vais vous parler un petit peu de ce qui s'est passé durant l'ellipse qui a duré environ 30 tours, tout simplement pour que vous compreniez un petit peu le cheminement. Donc je fais des ellipses pour avancer un petit peu. Donc j'ai eu 4 Nazgûl déjà, et je vais vous faire cette bataille d'abord. Ok, bon, on n'a pas perdu grand chose, ça va, ils ont perdu beaucoup de troupes, on a perdu une trentaine d'hommes, c'est acceptable. On va rançonner. Ok, on va occuper cette cité. Ouh, il y a pas mal d'armées ici, attention. Alors, ça va pas du tout ici, tout simplement, parce que... Ah, ok. Eh ben, on a déjà des bâtiments qui vont nous être utiles, dans un premier temps. On va tout réparer. On va installer, une garnison ici, ça fera pas de mal, parce que vu que c'est frontalier... Le Gondor qui a pas mal d'armées, comme vous le voyez dans ce secteur. Donc, on s'est emparé de la cité de Karas, qui appartenait autrefois à Nidwef. Apparemment, le Gondor doit avoir d'autres villes ici. Hein. Alors, avec Saruman, je suis en train d'assiéger Gind, qui est l'une des cités qui nous intéresse, tout simplement pour progresser vers le sud et par les montagnes pour essayer de taper le Gondor à revers. Et enfin, j'ai ma troisième armée, donc avec deux autres Nazgûl, je vais vous les montrer, ils sont là, à Kalenan, tout simplement pour essayer de mettre la pression sur Minas Tirith. Il y a déjà une grosse armée qui est pas loin ici, elle aurait subi des dégâts, donc à voir. Du coup, voilà. Alors, je vais regarder un petit peu avec qui je vais faire la bataille. Je regarde un petit peu l'armée de Saruman ici. Là, c'est du 9 pour 2. Je peux éliminer complètement cette armée. Je vais le faire tout de suite. On va en profiter. J'espère que les pertes ne sont pas trop élevées. Ouais, ça va. 270 hommes. On va occuper également. Et apparemment, on peut déjà améliorer la ville. Et ouais. On va faire des murs, on va réparer tout ça déjà. J'ai regardé un petit peu les bâtiments qu'on peut garder et ceux qu'on peut détruire. Non, non. Il va nous falloir aussi un temple de Melkor en priorité. Fontaine publique, je garde. Les mines, je garde. Les enclos de poulets, on s'en fout. Pour les agents, on prend. Ce qui va nous permettre de libérer un espion qui était placé à Guin pour nous aider. On va voir un petit peu les différentes armées qui nous attendent. Parce que là, il y a du monde. Et il y a surtout cette grande armée ici. Il faut faire attention. Hein. Donc là, on leur a pris deux villes à l'ouest. Donc Karas et Guin. Ces villes-là vont sécuriser notre avancée. Avec l'armée ici qui est à Karas, je vais essayer de poncer vers Longangren pour consolider ma position. Et essayer de faire un tour. Parce que je sais qu'il y a une ville. Les Nedwef aimaient bien la prendre. Ça s'appelait. Comment ça s'appelait? Balorn. C'était une forteresse. Ça nous permettrait d'arriver par derrière sur le Gondor, quoi. Pendant que l'armée de Saruman fait le tour à partir de Guin pour descendre vers l'arrière du Gondor. Alors, durant cette île de 30 tours, j'ai fait essentiellement de la construction, j'ai pas fait de conquête à part les deux villes que vous avez vues. Il y aura une exception, mais je vais vous expliquer pourquoi. J'ai construit beaucoup de bâtiments pour avoir mes troupes de meilleure qualité, à savoir les guerriers Uruk, les trolls, etc. etc. Et j'ai aussi amélioré l'économie avec des fermes, ce genre de bâtiments. Alors actuellement, on a pas mal d'unités, on a trois pôles de recrutement qui sont assez intenses, à savoir Hortank, l'Isengard, le gouffre de Helm, bien sûr, au niveau des troupes d'élite, je parle, et Doras. La preuve, on peut faire des arbalétriers, on va en former. Et là, j'essaye de bâtir le plus de bâtiments possible, niveau armurerie, ce genre de choses, etc. Et enfin, grâce à d'habiles négociations avec Dol Guldur, j'ai dû payer environ 30 000 pièces d'or, bon, j'ai pas vraiment eu le choix. J'ai récupéré la cité d'Edrerchen et j'ai eu des wargs en garnison que je garde au chaud. Donc là voilà, ça fait qu'on a dépassé notre objectif des 15 villes avant la conquête des deux cités que je viens de faire. Donc ça nous fait 15 et 2, 17. Et là on va peut-être avoir une dernière cité, avec un peu de chance, à savoir la cité de Kalinad. Et là, je vais utiliser cette armée-là qui est composée, bon, essentiellement d'unités correctes, on va dire. Mais j'ai aussi les Nazgûl, les nouveaux, là, avec les deux Balrogs. Avec les deux Nazgûl. Et j'ai aussi inscrit pour chaque Nazgûl qui est unique, apparemment, et ça, c'est bien. Alors, apparemment, lui, c'était un roi du Harad qui a succombé, Balak Na Sunfire, donc Soleil de Feu.
Et là, on a Ganalan the Honored. Alors, lui, ce serait un Nazgûl qui vient du Khand. Donc, ça, c'est cool qu'ils aient rajouté ces petits scripts. Et apparemment, ceux-là, ils ont des attaques spéciales. Ils ont le feu d'or tank, brûle et knock. Et je sais pas. Et c'est trois projectiles. C'est aussi efficace contre la cavalerie, apparemment. Très bien, je retrouve pour l'assaut sur le fort de Kalenad appartenant au Gondor. Donc on va regarder un petit peu les Nazgûl. J'en ai un troisième aussi que j'ai recruté pour avec l'armée pour voir un peu ce que ça donne. Ça ressemble à des sortes de d'Uruk-hai ou des berserkers, je sais pas. Ils auraient ils pourraient lancer du feu. Ils ont des dégâts de mêlée 15, dégâts de tir 12, 23 d'armure. Ils sont anti-cavalerie. Ils sont efficaces contre les armures. Ça pourrait être une unité anti-cavalerie qui pourrait surprendre avec son feu. Donc peut-être une espèce de feu grégeois, je sais pas comment ils nous ont fait. Mais bon, on reviendra de la suite plus tard. Donc, on va présenter un petit peu les différentes troupes de cette armée. On a les fameux piquets Uruk-hai. On a 4 piquets dans notre armée, donc 2 d'Unlanding et 2 piquets d'Unlanding que vous connaissez. Et nos fameux piquets Uruk-hai maintenant. Là, ils vont être utiles à mon avis si de la cavalerie sort. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la cavalerie du Noning qui est un classique. Et vous entendez la magnifique musique de Rome 2. Bon, c'est certain diront que ça s'y prête pas, mais pourquoi pas, allez. Et on a nos berserkers avec une armure totale, hein, regardez. Armure complète, intégrale. Ça fait du plaisir. Et là, pour le moment, on va faire attention à nos troupes, parce qu'on sait jamais, j'ai l'impression qu'il y a des renforts qui vont venir. Sachant qu'on a pas mal de lanciers. Alors, wait and see. Alors là, je sais qu'on peut passer par ici. Là, on ne pourra pas utiliser ce building là, malheureusement. Là, oui. Ils ont quoi en garnison? Des lanciers territoriaux. Ils ont ensuite... Ah, ils ont une bonne armure là, attention. Donc... D'accord, l'armée de renfort du Gondor, elle vient de l'autre côté. Est-ce qu'il y a une porte pour eux? Ouais, ils peuvent passer là. Donc là, on a toute la cavalerie du Gondor qui est en train de se replier, je pense, vers le point de victoire. Là, ce qui pourrait être marrant, c'est d'essayer de vite percer la porte et de placer nos piquets pour empaler les renforts, quoi. Donc là, j'ai un petit peu accéléré le pas. Et le général, qu'est-ce qu'il fait, là? C'est quoi qu'on a comme général? C'est un archer, je crois, non? Non. Là, je crois qu'il se passe en mode bouclier. Alors, qu'est-ce qui arrive? Donc là, il y a la cavalerie qui arrive, de ce que je vois. On va faire attention, on va ramener nos piquets dans le dos. Ouh, on prend des pertes. C'est des tours qui nous tirent dessus, sérieusement? Ok. Ça va nous contourner, fallait s'y attendre. On va ramener deux cavaliers. Nos piquets, pardon. C'est bien, les Uruks sont en train de passer les défenses. On prend des pertes, hein. Évidemment, c'est normal avec la défense de cité. On va peut-être taper la porte hein, un moment, les gars. La cavalerie du Gondor derrière. Ah bah, deux secondes, hein. Attention, là-bas, des cavaliers de Dolamrod qui arrivent. On va essayer de ramener aussi les généraux. La porte qui est en train de céder. Mais il faut qu'on sera à l'intérieur de la cité, ça devrait les calmer. Hein. Ça y est, on a accroché là. En plus, la porte qui explose au même moment, ça c'est bien. Ouh, il y a pas mal de cavaliers qui sont en train de tomber là, ça fait plaisir. On va rentrer avec l'infanterie Uruk-hai parce que là on prend beaucoup de pertes. Ensuite, on va envoyer nos rivers taper sur les gardes territoriaux. Les piquets également vont aider pour la pousser. Allez les rivers, montrez ce que vous avez dans le ventre. Si Kalena tombe, là on va prendre beaucoup de pertes à cause des défenses, hein, Félicitant.
Là, la Fantréo qui surgit sur le côté, ça c'est une excellente chose. Et là, on a de la cavalerie qui peut servir à rien. Regardez, là, la cavalerie, on pourrait s'en occuper. Hein. Et Menasgain qui n'intervient pas encore. Et je vais leur dire d'intervenir sur la cavalerie. On va tester un peu les pouvoirs qu'ils ont. Alors. Donc là on a pris la porte et les tours. Non mais on va avoir moins de tireurs sur nous. Allez. Alors, comment ça se passe ici? On va essayer de créer du Nazgûl pour voir ce que ça donne. Ils ont dénoncé du Gondor, ils sont en train de succomber face à notre perse armure. Les berserker là on va les ramener aussi. Qu'est-ce qu'on a là-bas au nord? J'ai cru apercevoir des unités. Il va falloir faire attention pour le chemin parce qu'on va se prendre beaucoup de pertes à mon avis à cause des villes. Qu'est-ce qu'il ramène là? D'autres fantassins, des miliciens. Et là c'est un garde du corps général qui vient d'arriver. Très bien. On continue de pousser. Hein. Ils ont mis où leur archer là? Qu'est-ce qu'ils font là, leurs archers? Milice d'archers qui... Ok, il y a des miliciens d'archers qui montent sur les murs, pourquoi pas, après tout. Essayez de viser ça, là, avec vos javelots. Je sais pas comment vous faites. Ça, c'est un mêlé au centre, mais laisse tomber. Je vois pas où sont... Attends, leurs archers, ils les ont mis où? Ah, ils sont là, d'accord. On pourrait passer une fois qu'on aura affronté le gros de cette armée. Bon. Ça ne marche pas, apparemment. On va essayer de pousser. Piquer d'une ligne, pousser contre ces cavaliers-là. Il nous reste aussi les éclaireurs ou cailles. On les laisse en réserve. Alors on a tué 31% de leurs troupes déjà. Hein. Donc ça, ça va être l'armée, je sais pas si c'est la garnison ou l'armée de renfort qui est là, on est une à moitié. Au moins je pourrais faire intervenir la cavalerie d'une landing, mais je la garde en réserve tout simplement pour taper les archers quoi. Si on peut choper leur général en plus, il me semble que c'est un général unique du Gondor, celui qui est l'archer de la vallée noire là. Regardez, la cavalerie là, elle commence à s'enfuir, on dirait. 40% de morts. Hein. Là, on va pousser avec tout le monde, tous ensemble. Il faudra payer que nos cavaliers d'une année puissent faire quelque chose. Là, la cavalerie du Gondor va vite fondre hein, avec la masse d'unités. J'ai pas vu les cahiers de Dol Amroth là, les cavaliers légers. Ils doivent s'être rassemblés au point. Ouais, ils ont rassemblé leur dernière force au point. Ouais, ça peut être marrant comme bataille. Hein. Allez, chargez dans le tas plutôt. Là, il faut pousser contre les cavaliers. Comme ça, on va anéantir quasiment un tiers de leur armée. Cavalier d'une landing versus milice de cavaliers du Gondor. Là, ça fait le boulot. Hein. Là, ils sont brisés. Mais qu'est-ce qu'on prend en tir? Il y a quelque chose qui nous tire dessus? Oh, il y a une autre unité d'archers de milice de l'autre côté. Oh là là. Je vais aller la chercher avec ses piquets, je vais tenter.
Allez les gars, faut pousser hein. Allez. Il y a une autre unité là-bas, qu'est-ce que c'est? De l'infanterie du Gondor de Minas Tirith. Bon, les Reavers devraient pouvoir s'en charger, c'est du perse armure. Hein. Let's move. Les piquets au rook, on va les placer ici. Ouh, il y en a qui se sont fait choper, là ça peut faire très mal, regardez déjà. Ouh, il y a un cavalier qui s'est fait tuer. Ouh, là ça va être compliqué un petit peu. Alors les piquets du Dune Landing là, ils sont en train de s'occuper de ces archers. Oh ouais, là il y a du kill qui s'opère, là les piquets qui sont en train de tenir à distance les archers de milice. Même les boucliers ne suffiront pas, donc là c'est une excellente opération on va dire. Ok, là c'est bien, Kalenad va tomber je pense. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, on a des... Là il y a un... c'est chiant, le Pathfinding dans les villes, il est vraiment chiant là. On perd des groupes inutilement en plus, ça c'est dommage. Bon, on a éliminé 65% de leur armée, c'est plutôt pas mal. En plus, l'unité d'archi isolée extérieure, elle est en train de se faire tailler par les piquets. Ils disent qu'ils gagnent toujours, mais ça j'y crois pas. Avec le mur de bouclier, enfin le mur de pique. Là, il y a un général qui va se faire massacrer. Ou alors je vais dire au Nazgûl de concentrer. Alors il y a quoi qui arrive? Bon là ça se passe plutôt bien. Les Reavers qui taillent en pièces les renforts, le régiment d'infanterie de Minas Tirith classique. Des pays du Gondor comme vous préférez. Je vais les garder un peu les Reavers. Les Banner Guard aussi il faut les conserver comme force de flanking. Oulala. Cavalier d'Olamrod, ce sont les survivants, regardez. Ouais, les cavaliers prennent cher là. Oui, Rukai, tu as raison. Là ici, il n'y a plus d'unité. Par contre, on peut faire le tour avec les Reavers là. On va contourner avec les Reavers pour faire du dégât dans le dos. Il nous reste quoi encore en réserve? Les tireurs, ils n'ont pas servi, hein, mais on les garde, ils vont avoir leur utilité tôt ou tard. Les derniers cavaliers de la motte, ils sont en train de trépasser. On a perdu que 20% de nos troupes pour le moment, c'est très très correct. Hein. Il reste quoi encore? Une cavalerie de milice, ouais. Autant dire que le siège, il est plié. Hein. Alors, il y a une pauvre infanterie du Gondor qui est en train de s'enfuir. Oh mon dieu, on a perdu qu'un seul cavalier, un seul piquet d'une ligne ici, ça c'est très bien. Là les archers, on a rééquilibré la balance. Le mur de pique qui tient très bien. Ils ont qu'une armure de niveau 2, hein. Si je pouvais avoir niveau 3, ce serait génial. Je voudrais vérifier avec eux. On est en train de les repousser. Mais là, si on prend Kalena, ça va faire du bien. Bon, les derniers cavaliers de la mode sont en train de craquer là. Par contre, nos cavaliers coûtent très cher. Hein. Pour chasser les cavaliers de la maudite. Oh la vache, ils ont fondu là comme neige au soleil. On va aller chercher les derniers archers de la vallée. Alors. Nos Reavers, ils ont fait le tour. Ils peuvent passer ou par là. Non. Je vais leur donner le point là. Oui, ils sont en train. C'est chiant là quand ça s'étire comme ça, mais bon. Et là, on va arriver au centre de la ville. Je pense que ça va terminer le tout. On a capturé une porte, apparemment. Allez, on y va. Go, go, go. On pousse là. On met en x6. Là, on a gagné. De l'autre côté, bah, les archers, à mon avis, ils vont vite se barrer. Hein. Ils sont plus de 49. On a perdu qu'un piqué ici. Hein. Et là, on a ben, l'un des généraux. En x6. C'était qui? Oups. Ça devait être un capitaine, je pense. Ouais, c'était le capitaine de l'armée de renfort. Il nous reste un autre général à abattre. Là, il est là. Abattez-le.
Allez. J'ai essayé de voir si on peut voir si les portraits de ces généraux du Gondor, là, unique. Lui, je sais qu'il démarre dans un fort avec deux autres archers de la vallée de la vallée noire. Ouh, il se bat à la hache. Non, ils se battent à la hache, leurs archers, regardez. Allez, il s'appelait comment, général? Je sais plus son nom. Dunir, ouais, c'est lui qui commence avec les archers de la vallée noire. Ah oui, il reste encore le trébuchet au fond, c'est ça? Ouais, il reste les trébuchets, je les avais zappés. On va essayer d'aller les choper, hein. Je veux pas qu'un trébuchet arrive. Hors de question. Donc il va falloir former de la cavalerie. Peut-être essayer de partir sur du war parce qu'ils ont bien mangé quand même les calais d'une landine. Ils ont leur utilité, hein, attention. Ah, il y a une unité qui arrive là, ça devait être des miliciens du Gondor. Donc 21% de troupes. Ça va. Je m'en tire plutôt pas mal. C'est quoi de ça? Ah, ce sont peut-être les artilleurs, non? Très bien, Kalena tombe sous notre coupe. Il y a encore cette vaste armée là, ligne. Attention, hein. Ils vont pas nous aimer pour un moment, les habitants. On va essayer de les repousser, ceux-là. 5 contre 3, ils ont quoi? Ouais. Le problème, c'est que. Ouais, on va les repousser. On perd 400 hommes, ça va. On les exécute. Nous avons atteint l'instant. Donc cette armée-là, elle a pris un gros coup derrière la tête. Par contre, nos forces-là, elles ont bien fondu. Il y a aussi cette armée-là qu'il faudra surveiller de près. Qu'est-ce qu'ils ont? Bon, ils ont 3 unités, mais méfiance. Il y a cette unité de cavalerie que j'ai envoyée tout de suite en renfort. Ouais, ça va. Il va falloir stabiliser la région, ça va être priorité. Hein. C'est le temple de Melkor. On a un agent là, un autre val espion. Il y a des troupes dans le fort du Gondor, ici c'est celle de l'armée qui reste. On va voir un petit peu ce qui se passe du côté des champs du Pelennor et de l'Osgiliath, tiens. Alors, les orques, ouh, les orques là, du Mordor, ils ont décidé de se déchaîner. Ils attaquent actuellement Est-Osgiliath et Kerandros. Donc là, ça pourrait être intéressant, surtout que diplomatiquement, je vous en ai pas parlé, j'ai essayé une alliance donc, avec les Nedwefs que vous avez vu. Avec le Mordor, comme on était en guerre contre le Gondor, autant en profiter, puisque c'est le Gondor qui nous a attaqué. Et j'ai aussi choisi les gobelins de la Moria, mais bon, ils sont en train de se faire un peu cartonner à cause des nains de Khazad-dûm, mais ils tiennent le choc encore. Donc là, on a pris 3 villes quand même. Hein. Là, il faut faire attention à cette force, ce qu'elle va préparer. Mais bon, je pense que s'ils tentent d'attaquer à Alburg, Ugluk, même si c'est une petite garnison, ils sont capables de les tenir. Je pense. Qu'est-ce qu'on peut encore recruter là? Là, je recrute plein d'unités pour. Je suis en train de former une nouvelle force là de renfort. Et je pense qu'on va être pas mal hein, pour ce scénario. On va avoir des réparations à faire et tout. Mais problème, ça va être. Comment ça s'appelle? Ça va être Kalenad. Là, on va se prendre une. On va peut-être se prendre des rebelles. On va regarder ce qu'on peut faire. Alors, j'ai décidé de faire une opération. Bon, assez risquée, mais j'ai pas vraiment le choix. Ce que je vais faire, je vais détruire tous les bâtiments ici. Comme ça, si Gondor veut reprendre. Ah, Kalenad, s'il veut reprendre la ville, ou des rebelles. Je vais garder le rôle des maçons quand même. Il ne gagnera pas grand chose. J'ai battu tout de suite l'hôtel de Melkor pour être rapide. En espérant que ça passe. Donc je vais faire ça. Les mines vont rapporter pas mal d'argent. J'espère que ça va suffire. Si je remets mon général, ça suffira pas. Hein. Regardez, 50% d'ordre public. Mais bon, le problème c'est qu'il faut que la conversion culturelle se fasse. Et ça, c'est pas gagné. Et j'ai peur de perdre beaucoup de troupes pour rien dans cette affaire. Donc déjà, je vais me replier. J'ai quitté la ville, je vais réémerger mes troupes d'abord. Parce que là, on va prendre beaucoup de pertes pour rien sinon. Et ça, j'ai pas envie. Est-ce qu'on peut filer jusqu'au fort? Il y a le fort qui est pas loin. Hein. Attention, je rappelle. Et je me vois pas aller chercher Minas Tirith, surtout qu'il y a encore pas mal d'armées là. Le Gondor qui tient le choc hein, malgré les assauts du Mordor. Et je vais reculer. Donc au moins on a réussi à prendre la ville, ça c'est un objectif, ça c'est fait. Mais il nous faudra d'autres armées, sachant que beaucoup d'armées du Gondor traînent encore dans le secteur. À Longandren ça va être assez compliqué d'aller la chercher pour le moment. Il y a une garnison quasiment complète. Il va falloir réfléchir.
En revanche, Saruman, lui, ça va, il s'en est pas trop mal tiré, je trouve. Donc là, on va voir les murs, on va faire un espion ici. Je vais reconstituer les troupes. Il va nous falloir des troupes ici, hein, de toute manière. Est-ce qu'on peut avoir des troupes qui viennent d'ici? Ils vont mettre deux tours à venir, c'est ça l'ennui. Je vais rajouter des rivers. Et on va laisser ça là. Si on sort. Ouf. Ouais, donc là pour le moment de la conquête, il va falloir qu'on tanque nos positions, quoi. Donc Guin va sûrement retomber dans les mains du Condor, mais ils vont perdre beaucoup, hein. Aucun bâtiment militaire à part ici. Mais je pense que c'était plutôt un mouvement astucieux à faire. Et ironie de l'histoire, l'un de nos Nazgûl s'est fait éliminer dans la révolte. Ah, le rune a été détruit. Alors j'espère que notre Nazgûl va respawner. Normalement, oui, je pense. Alors, gouffre d'homme, on peut faire des choses. On va faire quoi? Un fabricant de catapultes. Un fabricant de catapultes ici. Il va nous falloir l'artillerie maintenant pour progresser. Là, les casernes se terminent à l'Imnir. On va faire... on va faire ça pour la croissance. À Rochebourg, ça c'est en route. À Karas-Galadron, on va faire ce bâtiment là, ça va être utile. Comme on est en première ligne avec les nains de Khazad-dûm, je devais faire une campagne contre les nains de Khazad-dûm, mais j'ai vu leur puissance au combat face à d'autres troupes. J'ai pas osé tenter le risque. Donc je me suis dit on va partir Val Gondor. De toute façon, ça va être le challenge de la campagne. On va peut-être perdre une cité, mais c'est pas grave. On va récupérer les cités du Gondor de toute manière tôt ou tard. Il faudra prier que le Mordor continue ses assauts sur les positions du Gondor. Est-ce que je peux former des troupes d'infanterie ici? Non, j'ai pas accès à la caserne. Ah. La plus proche, ce sera Edoras. Au pire, je repartirai à Edoras, mais il faudra que, de toute manière, l'armée du Nazgûl et de Ugluk, parce que je pense qu'en attendant, je vais rajouter Ugluk avec ce Nazgûl, je vais essayer de la muscler un peu, quoi. J'ai beaucoup trop de troupes entre guillemets légères. Il va me faire de l'infanterie, plus d'infanterie ou plus de piquets et d'arbalétrie lourd. Mais bon, là c'est pas mal, on est en train de faire mal au Gondor et ça c'est bien. Il y a deux wards ici, j'ai tout de suite les stationner dans ce fort. Il nous reste encore 6 unités. Hein. Je vais rajouter un garde d'Ortank ici. Alors, on peut bâtir une guilde à Guild, on va le faire tout de suite. On a un nouveau général qui a popé. La Kalenad, il continue d'entretuer les citoyens. Bah, c'est bien qu'ils s'entretuent. Je vais rajouter le général ici. Comme ça, ça fera un général supplémentaire. Demi-orc, oui. Oh, il y a cette vaste armée aussi qu'il faudra gérer. Qu'est-ce qu'ils ont là-dedans? Bon, ils ont beaucoup de troupes de milice. Essentiellement, ils ont une catapulte et une balise. Ça, c'est un peu plus problématique. Ouais. Ouh, il y a pas mal de construction là, ça c'est cool. On va améliorer la croissance encore en Isengard, ça fera plus d'argent potentiellement. Là ça se termine. Ici à Albourg, je vais améliorer le réseau minier, ça fera toujours des revenus supplémentaires. Là il faudra améliorer l'armurerie ici également. Je pense qu'Edrachan, on pourra pas l'améliorer plus. Non, c'est le niveau maximum, mais bon, au moins ce sera fait. Il y a une alliance entre les Tortues Montbrues de Gundabad et les Dunedain, pourquoi pas. Relation améliorée avec le Mordor et la Moria, ça c'est cool. Bon, c'est pas mal. On a des arbalétriers, on pourrait en former et les amener en renfort au sud, hein, ici. Je vais réparer la guilde des maçons, ce sera toujours ça de prix. Et je vais aussi continuer à améliorer la conversion culturelle. Ce sera déjà un début. Par contre, là, l'armée, il faudrait qu'elle regagne Edoras. Hein. Elle va regagner Edoras. Ugluk, il a quoi comme armure? Il a l'armure à fond. Donc, si je le retire. Ah, c'est parce que j'ai mis les taxes en haut. Je crois que c'est pour ça, ouais. Allez s'y attendre. On va mettre les taxes en haut. Ce sera déjà bien. Et avec Ugluk et le Nazgûl, ça va être plaisant. On va les remonter ici. Je crois qu'il y a une cavalerie en plus qui attendait, ouais. Il y a une cavalerie. Donc, déjà, on va la placer dans le fort. La cavalerie à Moshé, comme c'est trop loin, et Isengard, on va la mettre là. Et là, je pense qu'on va spammer beaucoup d'unités lourdes. Hein. Ouais, ça va être le plan. Et là, on continue de voir Caledan s'embrasser, on rigole un peu. Et on continue d'améliorer le temple, surtout. Donc, voilà.
Et je pense qu'au prochain tour, je vais essayer de repousser cette armée en auto avec celle de Saruman. Je pense qu'il y a largement les moyens pour. Il y a encore quoi comme armée? S'il y a une demi-armée, ouais, ça va. Après, il faudra essayer de voir pour Longengren, Balorn, et essayer de faire peut-être la prochaine fois une entrée en par ici, quoi. Mais il nous faudra plus de troupes lourdes, hein. Et des renforts de qualité. Ok, donc on va essayer de repousser cette armée menée par le commandant Faltor. C'est une grosse armée, mais je pense qu'elle est battable comme ça. On va essayer. Ouais, ça va. On n'a pas perdu tant d'hommes que ça. On a perdu 300 hommes, c'est correct. On exécute. Alors, ici, on a des troupes. Qu'est-ce qu'on a de beau? On a deux rivers, ok. On le supprime. Oui. Là, on va combiner cette unité. Bon, ils sont plus que deux, on les supprime. Là, les taxes sont en mode faible. Est-ce que si j'envoie juste les rivers, ça suffira? Oui, tout pile, ça passe. Comme ça, là, les rivers vont occuper la ville. L'armée s'est repliée ici, ça c'est très bien. Elle est bien amochée. Par contre, là, tout ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a plusieurs forces du Gondor ici. Il faudrait les éliminer. Et là, c'est une grosse force dangereuse. Celle-là, il y a beaucoup d'unités d'élite. Il faudra faire attention. Handborn, en plus, avec des gardes du corps de généraux. Ça promet du challenge, en tout cas, pour cette campagne. Ça fait plaisir. Et Kalena, je suppose que ça s'est révolté. Ouais, le Gondor l'a récupéré, mais c'est pas grave. Là, le but, ça va être de se refaire une armée avec Ugluk et le Nazgûl. Comme ça, on pourra essayer de rivaliser avec eux. J'ai tout de suite placé l'arbalétrier, tiens, hop, tac. Voilà. Et les archers, ils vont être amenés à disparaître à terme. Les archers Uruk vont plus nous servir à grand-chose. Là, je peux pas faire de caserne, apparemment. Ah, et de race, à moins que... Ah, si, j'ai la caserne, mais c'est la culture, ce qui doit manquer, je pense. Ouais, c'est ça. Donc, au prochain tour, on pourra avoir la culture. Ça, c'est cool. Et produire des troupes. Je regarde un petit peu les bâtiments qu'on a à faire. Folbourg. Une armure. Le Grog. Adéroit, on a fait une armurerie parce que c'était en première ligne. Le temple est en cours de construction. Edrerchen, le Grog, on termine l'armurerie spéciale. Et on avait réparé la guilde des maçons à Kalenad, mais malheureusement, bah, on l'a perdue. Enfin, c'est comme ça. Mais au moins là, je suis content. On leur a pris deux villes du côté de l'ouest. Ça va nous aider pour progresser. Il faudra se débarrasser des forces du Gondor dans la région. Et je vais commencer à préparer mon mouvement. Ici. Je vais surveiller un petit peu les passages avec cet espion dans le fort. Et là, ce qu'il y a de bien, c'est que plus tard, ces deux forts vont nous servir pour accumuler des troupes. Si on parvient au prochain épisode à récupérer Longengren Balorn avec l'armée des deux Nazgûl restants, donc à savoir, comment il s'appelle? Aglarakor et Lagoren. Là, je pense qu'on pourra se permettre avec Saruman une entrée. Il faudra une deuxième armée, je pense, avec Saruman pour nous aider. Elle est en cours de formation, il y aura pas mal de tireurs déjà. Et si on rajoute un peu d'infanterie, je pense que ça devrait buffer un peu le tout. J'ai déjà préparé ça. Je pense que deux unités d'infanterie en plus suffiront. Voilà, je vais arrêter l'épisode ici, à moins que je peux recruter. Non, j'ai encore ça à recruter, ok. Et je recrutais un Eurocreeper. Voilà. Et je vous remercie à tous de votre attention, les amis. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vois que cette campagne vous plaît beaucoup quand je vois vos likes sur les vidéos. Si vous avez un commentaire ou autre affaire, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire pour suivre l'actualité de la chaîne. Et si vous souhaitez la soutenir, les amis, n'oubliez pas la page Tipeee dans la description. Et n'oubliez pas la chaîne Twitch quand je stream essentiellement le week-end. Voilà, je vous remercie à tous d'avoir suivi les amis, c'était Kaiser von Karstein, merci d'avoir suivi et à bientôt.